Mesdames et messieurs, au nom du Forum économique du Nord-Vaudois, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Waouh, une année de travail et puis une toute grande fierté, un honneur de vous présenter tout ce que l'on a préparé pendant cette année. Vous serez presque 550, en tout cas présents dans la salle tout au long de la journée. Et puis je fais un petit coucou tout particulier à tous nos internautes qui nous suivent au travers d'Internet, parce qu'on est très actifs. L'entier du Forum économique sera retransmis sur Internet. J'ai une toute première information à vous donner, elle m'est vraiment importante. Elle est aussi en relation un petit peu avec le sujet, la formation et puis le savoir et la gestion. On a un quotidien ici, elle est importante aussi pour la région. Le quotidien La Région Nord-Vaudois a annoncé aujourd'hui que dès aujourd'hui, il sera quotidien et il paraîtra tous les jours de la semaine. Donc il avait deux éditions jusqu'à présent et dès aujourd'hui, cinq éditions chaque jour. Bravo à Isidore Raposo et à son équipe, je crois qu'on peut applaudir pour notre région. Pour notre région, c'est une très très grande nouvelle et vous y contribuez aussi parce qu'en tant qu'annonceur, en tant que lecteur, vous contribuez au fait qu'il puisse se développer et à l'heure actuelle, des réseaux sociaux, d'Internet et de tout ce que l'on connaît, pouvoir aller à compte courant, je crois que ça méritait qu'on salue un de nos partenaires pour ce jour important pour lui. Un petit mot, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir tout plein de personnes qui vont faire des messages, faire des tweets pendant toute la journée. Ils seront pendus à leur téléphone. N'ayez pas d'inquiétude, ils travaillent, contrairement à ce que vous pourriez penser. Ils se trouvent, si jamais, tout en haut sur la droite. Ils sont 6 ou 7 pendant toute cette journée à tweeter, comme l'on dit, sur le forum avec les différentes informations. Sur ma gauche, je présente aussi, parce que ça m'est très important, on aura environ une trentaine de journalistes qui seront présents et puis qui retransmettront par leurs différents canaux tout le forum économique pendant toute la journée. On a toute une plateforme ici en dessus qui leur est réservée. Un remerciement tout particulier aussi à toute la municipalité d'Yverdon qui est à 100% présente aujourd'hui à notre forum économique. Et c'est vraiment très important pour nous, pour moi, parce que je pense qu'il y a très très peu d'événements où ils peuvent être présentés en intégralité, donc merci à eux de leur présence. Bien entendu, un grand merci à nos partenaires, 33 partenaires que nous avons. Sans eux, bien entendu, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait, on ne pourrait pas développer tout ce qu'on développe au niveau d'Internet et des réseaux sociaux, etc. On ne pourrait pas développer tout ce confort qu'on vous met à disposition pour cette journée. Donc, un grand merci. Un grand merci aussi tout particulier à Achille Crivelli, donc mon vice-président avec qui je partage tous ces moments tout au long de l'année pour la préparation. Et j'oublierai pas Brigitte Muller, qui est notre coordinatrice, que vous voyez quasiment pas. Elle est derrière moi et puis elle fait un travail extraordinaire. Alors j'aimerais qu'on remercie en tout cas ces deux personnes par des applaudissements. Et puis deux, trois mots sur le thème, parce que c'est un thème qui, moi, me passionne vraiment, parce que la formation, le perfectionnement, l'intégration du savoir et des compétences, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. On est tous canalisés dans nos business. Pendant notre carrière, on est persuadé qu'on n'a pas forcément besoin de se perfectionner, et je pense sincèrement que c'est tout le contraire. Et pour moi, vraiment, la formation est très, très importante. Il faut qu'on puisse la développer. Il faut qu'on puisse la développer avec les collaborateurs. Il faut qu'on puisse mettre des structures en place. Et c'est vraiment une des valeurs ajoutées de la Suisse. Et je crois que si on a passé aussi au travers de cette crise, plus ou moins vraiment bien, c'est aussi grâce à notre savoir et tout ce qu'on a pu intégrer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je suis content qu'on puisse avoir ce thème aujourd'hui. Et on a une très très belle palette de conférenciers que je remercie, qui va pouvoir débattre de ce sujet sur plusieurs angles. Et puis j'espère que ça vous apportera vraiment du concret. Pour moi déjà, l'enrichissement d'une rencontre est déjà en quelque part un petit peu de la formation, un petit peu du savoir. Si on s'enrichit d'une rencontre que l'on fait, on peut utiliser après ce qu'on a appris pour aller plus loin.
Donc concrètement, ce forum aussi, c'est pouvoir faire des rencontres que le quotidien ne nous permet pas. Donc profitez vraiment de ces instants-là pour faire ces fameuses rencontres qui vous aident tout au long de l'année. Et puis je terminerai par remercier mon employeur, Gontier Schneeberger, qui me laisse la possibilité de faire tout ce forum tout au long de l'année, puis je crois que c'est quand même important de le relever. Merci beaucoup, une toute bonne journée. Eh bien, c'est parti. Alors, quelques petites indications pour passer une bonne journée. Vous avez vu que vous avez de magnifiques plats de fruits. J'espère qu'ils vous font suffisamment envie pour les manger. Il faut les déguster. 5 fruits, 5 légumes par jour, c'est bon pour la santé. Vos appareils sur silencieux, par contre, vous pouvez vous brancher sur le Wi-Fi de la salle de la Marive. On vous encourage, bien entendu, à utiliser tous les réseaux sociaux. Le Forum économique y est. On a une équipe qui se trouve là-haut avec Madame Neuhaus qui s'occupe de tweeter, de Facebook, etc. Vous connaissez bien tout ça. Et puis, nous avons quelqu'un qui est vraiment un invité de marque. Nous avons beaucoup de chance. C'est désormais la vedette du dimanche. C'est Mix et Remix, qui lui contribuera à nous détendre, peut-être aussi à provoquer quelques grimaces, mais c'est un très bon exercice pour le visage. Vous aurez la possibilité, au terme de cette journée, de télécharger les présentations des orateurs et également la liste de tous les participants à cette édition 2013 du Forum économique du Nord-Vaudois. Je vous encourage également, soit par le formulaire que vous trouverez sur notre site www.fenv.ch, de remplir le questionnaire de satisfaction. Et puis, ceux qui préfèrent l'écrit, Dieu merci, ça existe encore, eh bien, vous avez des formulaires à l'accueil, vous pouvez les remplir et puis ensuite les restituer à l'accueil. Ces questionnaires nous sont d'une grande utilité parce que ça nous permet à la fois de bénéficier de vos appréciations et puis aussi de suggestions pour l'avenir. On n'est pas intelligent tout seul et c'est très enrichissant que vous participiez toutes et tous à l'évolution de ce forum. On va vous demander aussi quelque chose de particulier. Vous savez qu'on prépare ces manifestations 2 ans à l'avance. On en parlera plus en fin de journée. Mais pour la 10e édition, pour 2015, nous aimerions faire revenir 3 orateurs que vous avez eu l'occasion d'entendre depuis nos débuts. Et on aimerait qu'ils soient choisis par vous-même. Donc de faire la sélection des 3 orateurs qui vous ont le plus plu, puis on va essayer de les faire revenir pour le 10e anniversaire en 2015. Et puis, bien entendu, toujours sur le site, eh bien, vous avez la possibilité déjà de vous préinscrire pour le Forum économique édition 2014. Ce sera le jeudi 4 septembre. Voilà, merci de prendre note de ces indications que je me permettrai de vous rappeler une fois ou l'autre au cours de cette journée. Et puis, j'aimerais appeler maintenant sur la scène Monsieur le syndic d'Yverdon-les-Bains, Daniel von Siebenthal. C'est la ville accueillante, c'est la 2e ville du canton. C'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui a la chance de disposer d'un parc scientifique et technologique, Y-Parc. D'ailleurs, monsieur le syndic préside la société Y-Parc. Et c'est vrai que c'est dans des rencontres comme celle-ci